ça sent bon! Maman, comment on fait le pain? En voilà une bonne question, mon garçon. Découvrons-le ensemble. On prépare le pain avec de la farine, de l'eau et du levain. Le levain est une substance composée de petits grains qui sert à rendre la pâte bien moelleuse. Quand la pâte est prête, on la divise en plusieurs morceaux et on les passe au four. Une fois cuite, les miches sont parfumées et croustillantes, prêtes à être mangées. Mais maman, comment on fait la farine? On obtient de la farine en broyant du blé et le blé pousse dans les champs. Pour labourer et aérer la terre des champs, il faut un tracteur. Lorsque le sol est prêt, l'on parsème le champ de graines, dûment espacées entre elles et plantées à la bonne profondeur. Comme ça, chacune d'elles grandit saine et forte. La pluie et le soleil font pousser les plantes. Et lorsque les épis de blé sont bien mûrs, l'heure est arrivée de les cueillir. On utilise une grosse machine qui ramasse les grains de blé et les dépose dans une grande remorque. La remorque est tractée par le tracteur jusqu'au moulin qui se chargera de broyer et de transformer les grains en farine. Avec l'ajout d'eau et de levain, la farine se transforme en pâte. On cuit alors la pâte au four qui deviendra un délicieux pain. Merci, j'ai tout compris. Je retourne travailler la terre, maman, car j'ai une de ces faims.